je suis une petite dame qui a déjà inscrit son histoire dans la culture camerounaise. Ça fait 11 ans exactement que j'ai commencé devant le peuple camerounais avec mon premier album intitulé Nostalgie, qui a marqué le cœur des Camerounais et qui m'a valu beaucoup de récompenses à travers déjà le Cameroun même, ma nation, et à travers le monde. Alors, voilà. Si je peux vous parler de mes débuts dans la musique, je dirais tout simplement que à l'époque je vivais encore en Europe, hein, donc je viens au Cameroun, je mets sur pied mon premier album intitulé Nostalgie Studio avec Tessera. Je n'avais pas encore forcément l'expérience dans ce domaine-là de studio, s'il faut le dire ainsi, mais je chantais déjà depuis très très longtemps, depuis l'âge de 6 ans. Ben alors, à la sortie de l'album Nostalgie, moi j'étais en Europe. À l'époque, j'étais entourée d'une équipe dynamique, d'autant qu'au Dimenco, qui vient toujours dans les questions, qui organise sa stratégie de travail ici. Et immédiatement, le premier album intitulé Nostalgie avec le titre phare Dans la tanière, mais tous les mélomanes et les amoureux de la bonne musique et de la culture, de la curiosité, il faut le dire, d'accord. Et je reviens ici, je suis devenue la star des Camerounais. Et voilà le début de mon histoire, mon entrée dans la musique. Oh my goodness! D'où vient l'inspiration de la tanière? Je ne saurais dire, vous savez, un artiste, c'est ce qu'on appelle l'inspiration divine. Ça veut dire que j'ai quand même été à l'époque visiter les prisonniers de Kondengi, parce que la tanière vient d'abord des prisonniers de Kondengi. Alors c'est une façon de faire des dons, et tout de suite ils avaient des petits commentaires aussi là, non? Quand elle est sortie, elle va en lire. Et ça me faisait tellement rigoler, et cette petite phrase qui m'a inspirée m'a permis de rédiger cette chanson Dans la tanière. Et j'ai profité en ce moment, les Lions travaillaient très très bien avec une belle équipe dynamique, et c'était une façon pour moi de rendre hommage aux Lions indomptables du Cameroun, pour qu'ils sachent qu'on les aime au-delà de tout. Et j'ai intitulé Dans la tanière et j'ai rendu hommage déjà aux prisonniers de Kondengi, également aux Lions indomptables, en ajoutant un petit zeste d'humour et du sexisme pour éveiller les papilles. Voilà. Parle de la plus-value, ce que je veux dire, c'est que c'est une chanson que je n'ai même pas calculée forcément. Vous savez, je ne peux pas dire que j'ai calculé ou que je m'attendais ou je ne m'attendais pas. J'ai eu un succès de malade. De malade, il faut le dire. Des voyages dans le monde, complètement, où j'ai découvert des pays que je ne connaissais pas, où je savais que j'irais un jour, pas en musique, mais je les ai découverts à travers ce premier album Nostalgie. Et j'ai quand même gagné pas mal de sous, et voilà. Je me sens, je me sens. Oui, aujourd'hui je me sens, hein. Vous savez, dans la vie, au fur et à mesure que l'on prend de l'ampleur, il y a des bribes qui se disent autour de nous, il y a des commentaires, des sabotages inutiles. Et la toute première fois que je fais un spectacle dans ma vie, j'ai eu l'honneur de faire ce spectacle aux côtés de Richard Amougou, qui me disait, Coco, tu es jeune, à l'époque j'avais je crois 26 ans, tu es jeune, tu es talentueuse, maintenant il faut que tu te prépares, tu dois préparer ton mental, parce qu'il faut que tu aies un mental de résistante, parce que le chemin
du succès est parsemé d'embûches. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, avec l'expérience, les critiques, etc., j'ai appris à m'accepter tel que je suis. J'ai appris à vivre avec les commentaires négatifs ou positifs des gens. Alors, j'ai juste voulu dire que je me sens. Je me sens bien dans ma peau malgré tout ce qu'on peut dire. On dit que je vends le piment, on dit que je chope le tapio. Moi, je suis déjà dans le Kondongo, etc. Donc voilà, c'est juste une façon de m'assumer. Et j'invite des personnes en manque de confiance en eux, ou confiance en soi, s'il faut le dire, de s'assumer. C'est Dieu qui crée l'humain. Alors acceptez-vous comme vous êtes. Voilà. Je me sens. Dans le projet, je me sens waouh. J'ai commencé avec Magasco. Dans ce projet, j'ai enregistré d'abord, mais après, comme j'ai voyagé et tout, j'ai eu d'autres influences avec mes voyages en Amérique. Je voyais que les gens aimaient beaucoup ce qui cogne. Et je sais que Magasco est très très doux d'ailleurs et mélancolique, mais il fait du bon travail. Tout de suite, étant donné que j'ai fini de faire le feat avec aussi Chefil Bill, j'ai trouvé qu'il avait quelque chose et tout de suite je suis revenue, mon équipe et moi nous sommes revenus un peu pour recolorer un peu cette chanson, recommencer même avec une écriture différente. Et voilà, j'ai travaillé avec Phil Bill dans cette chanson là, j'ai travaillé avec la grande équipe de Magasco également et voilà. Coco a combien de featuring aujourd'hui? 9. Ben, je vais commencer avec Papa Talandré Marie. Oui. Et je me souviens avec Venom le Cascadeur, Baba Isnebo, Lucky Plus 2. Sipak Samo, bon, je préfère m'en tenir d'abord là. Voilà. Voilà le plus récent que tout le monde a aimé et découvert, une nouvelle Coco et un featuring qui a mis tout le monde d'accord avec mon trésor Kossi. Voilà, à qui je fais un big up. Bébé, ah bébé, ah. Ce pantalon là. Ce soutien là, ce n'est pas mon bonnet. Ce caleçon là, ce n'est pas mon banglongo. Cosi, enlève-moi tout ça. Devant le juge, j'ai dit qu'elle n'a jamais gnoxé. Là, je viens de mettre sur pied mon 4e album intitulé Ascension. C'est vrai que cette fois-ci, la stratégie de communication est carrément différente des stratégies d'avant, oui. Parce que notre album est là, il est prêt. Nous travaillons crescendo. Parce que cette fois-ci, on a décidé d'aller un à un. Vous savez, le dernier album intitulé Ouragan, j'ai sorti 12 clips vidéo le même jour et 12 audio le même jour. Et voilà, c'était peut-être une catastrophe dans la mesure où après, il y avait des vagues très, très négatives. Mais bon, c'est rien. Et pour cet album Ascension, nous avons décidé d'utiliser une stratégie de communication et de travail très, très différente. Voilà. Alors, je voudrais déjà dire merci à l'équipe technique pour ce chimiotactisme positif entre moi et le public du monde qui écoute Vision 4. Et à mes fans, je vous dis, moi je continuerai tout simplement à travailler très très dur pour ne pas vous décevoir. Et puis merci, merci infiniment pour votre reconnaissance et pour votre soutien incommensurable sur ma petite personne. Je vous aime. Fais de ton chéri ta priorité, il fera de toi sa priorité. Fais de ton bébé ton bras rapide.
bonne base. Ton pantalon fait quoi chez moi? Ton soutien fait quoi chez moi? Ta perruque fait quoi chez moi? Bébé, ah bébé oh, on a dit ma engongo baga le bolo. Bébé, ah bébé ah. Ce pantalon là, ce n'est pas ma taille. Je me sens. Avec ou sans toi, je me sens. Hey, je dis que dans mon cabangondo, je me sens. Hey, avec mon lacet bien de colo. Avec mes colos, je genre mes kitoko. Hey, je suis déjà dans Kondongo. Même si je chope le tapioca, qui mange le tapioca comme moi? Faites comme moi, suivez le Hit Parade sur Vision 4.